Mais changer d'école à ce stade, c'est possible, Gabriella? C'est bizarre. Je ne pense pas. Mais elle va quand même essayer de le faire. Je ne comprends pas. Si vous parliez de moi, continuez, n'arrêtez pas. Non, nous avons terminé. Je suis sûre que vous parliez de moi. Je suis sûre que vous disiez que je suis tellement têtue que vous n'arrivez plus à me supporter. Ce n'est pas ce que nous disions, Ingrid. Mais maintenant que tu es là... Écoute, Ingrid, je peux te demander quelque chose? Dis-moi, papa. Pourquoi tu es comme ça? J'ai besoin que tu recommences à rire et à te moquer de tout le monde. Je me demande la même chose. C'est impossible de parler avec toi en ce moment. Oh, maman, t'exagères. Je n'ai jamais été grossière avec toi. Réfléchis bien, Ingrid. Tu sais depuis quand tu es de cette humeur? Depuis que tu as arrêté la boxe. Tu devrais recommencer, ma chérie. Comment ça? Ça fait des années que je ne me suis pas entraînée. Bah va t'entraîner, va concourir. C'est ce que tu aimes, ma fille. Concourir, oui. Papa? Ce que vous pouvez dire comme bêtise, c'est incroyable. Je suis trop vieille pour ce sport, je ne suis plus aussi bonne qu'avant. Ce n'est pas le moment de retourner à la boxe. Ce n'est pas vrai, Ingrid Lorena. Et c'est triste que tu le dises. Surtout toi qui étais tellement proche de ta grand-mère. Qu'est-ce que grand-mère a à voir avec tout ça? Elle était une femme qui était très sage. Hmm? Mais il me semble que tu n'es pas comme elle. C'est toi qui lui as appris à lire et à écrire. Tu te souviens de quel âge tu avais? Mais avant tout, tu te souviens de quel âge elle avait? Ceci est un A. Moi aussi, je vais pouvoir apprendre. Bien sûr, je vais t'apprendre à écrire ton nom et celui de grand-père, allez, d'accord? Do-ra. Maman était une femme âgée et malade. Mais elle n'a eu aucun problème à apprendre à lire et écrire. Et toi, tu es jeune, en bonne santé. Et toi, tu ne veux plus faire de la boxe. Il faut que tu arrêtes de te plaindre. Tu casses l'ambiance dans cette maison. Oui, avec vous deux. Et enfin, le poids que tu voulais tellement. Sauf que non, coach. Je trouve que c'est juste le poids nécessaire. Mais je te félicite, car tu t'en es très bien sorti. Eh bien, j'espère que ce ne sera pas aussi compliqué de le maintenir. C'était un cauchemar, j'en ai vu de toutes les couleurs. C'était ton obsession, car en seulement 2 jours, tu as pris 2 kilos. Tu dois faire attention à ton alimentation. Et ma mère aussi, parce que vous savez que c'est elle qui me nourrit, coach. Je sais que vous parlez avec elle pour savoir ce que je mange, comment je mange et combien oui, je mange. Oui, je lui ai fait des recommandations parce que je ne veux pas que tu grossisses. Tu as pris suffisamment de poids. Maintenant, je veux que tu sois très réactif et très agile. Je ne veux pas que tu sois maladroit. Ouais. Tu es nerveux pour le championnat de Barranquilla? Oui, bien sûr. Il y aura de nouveaux concurrents et aussi de nouvelles stratégies. C'est un tournoi très important. Il y aura les meilleurs taekwondoïstes de tous les pays des Caraïbes. Tu vas aussi pouvoir tester cette nouvelle catégorie pour voir comment tu te sens. Si tu te sens à l'aise et si tu te sens bien. Coach, est-ce que vous avez pu trouver qui sont ces compétiteurs? D'où ils viennent? Comment ils se préparent? Ou bien quelle stratégie ils utilisent le plus? Ben, le plus dur d'entre eux s'appelle Maximo Pimenta, le Cubain. Il est connu? Il le mérite. Ce jeune homme a seulement 24 ans. Et figure-toi qu'il n'a perdu aucun combat. Un seul tournoi, une seule compétition. Eh bien, coach, le fait de nous mesurer au meilleur va nous permettre de savoir exactement où nous nous situons dans ce sport. Et si je perds, nous profiterons de Barranquilla pour nous reposer. Non. Pour me reposer, je reste chez moi. Nous allons à Barranquilla pour concourir, comme d'habitude. Si tu veux savoir plus sur Maximo Pimenta, prends ses papiers. Il y a tout sur ce garçon. Vous avez choisi les 2 meilleurs plans qu'il y ait à London 2. Je vous l'assure, vous allez vraiment passer un très bon moment dans cette gym, les filles. C'est exactement ce qu'on veut faire, Monsieur Munoz. Il n'y a pas de classe de taekwondo ici? Non, nous n'avons pas de classe de taekwondo. Eh bien, vous devriez, parce que je pense que ce serait un grand succès si Oscar l'enseignait en personne. C'est une excellente idée, Estefania. Mais je ne pense pas qu'il pourra venir enseigner à la gym, vu tout ce que mon fils doit faire. Où est-ce qu'il a appris le taekwondo? C'est à 3 blocs d'ici, dans ce chemin-là. Faut juste tourner à droite. Tu continues tout droit et tu verras une grande pancarte qui dira « Pas ici !» Non, il s'entraîne avec Armando Corral, un homme grand et très élégant. Il va à l'académie de taekwondo tous les jours. Il y va tous les jours? Tous les jours. Je vois. Yolima, ne me laisse pas tomber, t'entends? Parce que ça a été vraiment difficile de trouver une place dans cette usine pour toi. Comment ça, difficile? Ce n'est pas toi le chef ici. Ben oui, mais Yuri et Monsieur Alexis sont associés. Et il y a des choses dont je dois leur parler. Comme les nouvelles recrues. Mais pourquoi ne parlons pas d'autres choses plus sensuelles? Mais arrête ça, Norbé.
Aujourd'hui, c'est mon premier jour et je suis très fatiguée. Faisons ça un autre jour, d'accord? Mais écoute, je suis un patient aux soins intensifs. Si tu ne fais rien, je meurs. D'où sors-tu toutes ces choses-là? Norbert! C'est pour ça. Ah, monsieur Alexis! C'est pour ça que tu es resté jusqu'à cette heure tardive. C'était ton initiation. Mais normalement, tu peux partir à 6 heures du soir, d'accord? Je suis très heureuse de l'entendre. Tu peux te retirer. Merci beaucoup, excusez-moi. Vas-y ma fille, repose-toi. Merci. Que faisais-tu, Norbert? Je pensais que tous les employés étaient partis. Non, oui, mais cette femme est très appliquée. Elle avait vraiment beaucoup de questions. Mais tu dois garder tes distances. Je te rappelle que l'interdiction des relations sentimentales au travail s'applique aussi à nous. Mais bien sûr, à nous bien plus encore. En tant que directeur, nous devons montrer le bon exemple aux autres. Voilà, je suis content que tu le comprennes. C'est clair. Je suis là pour autre chose. J'ai de bonnes nouvelles. Dites-moi, c'est quoi ? Écoute, je viens de recevoir ce courriel de Monsieur Thomas. J'ai failli ne pas le traduire en français. Il a confirmé qu'il allait travailler avec nous ? Et combien de vêtements va-t-il nous acheter au juste ? Attends, calme-toi. On n'en est pas encore là. Mais là, il est sérieux. Il veut venir ici à l'usine pour pouvoir parler avec nous personnellement. Qu'en dis-tu? C'est vraiment une excellente nouvelle. Oui, tu te rends compte, Norbert, de pouvoir exporter nos vêtements aux États-Unis? Mais il faut célébrer ça. Bon, ne nous emballons pas. Mais le fait que ce monsieur Thomas veuille venir pour nous rendre visite et nous parler est vraiment un très bon signe. Salut mon fils. Devine ce que c'est. Le dessert que tu aimes tellement manger. C'est vraiment gentil, maman. C'est pour que tu vois comment ta maman s'occupe bien de toi. Tu ne trouveras pas ce dessert en dehors de cette maison ou même dans tes compétitions. Ce dessert est délicieux. Mais je ne peux pas tout manger. Et pourquoi? J'ai une compétition dans une semaine et je dois surveiller mon poids. Je ne peux pas. Et papa? Ton papa est au gymnase. Il passe plus de temps là-bas qu'ici. Ça me rend très heureux. C'est bien pour lui. Parce que si la gym marche bien, c'est parce qu'il est tous les jours là-bas. J'aurais voulu l'aider, mais je ne trouve pas le temps. Je sais. C'est délicieux, mon fils. Ouais. C'est vraiment dommage. Et c'est quoi ça? C'est quoi cette chose sur ton dos? Eh bien, c'est le tatouage d'un aigle que ma tatoueuse n'a pas encore terminé. Ah, mon fils, mais pourquoi tu fais des choses comme ça à ton corps? Parce que j'aime ça, maman. J'aime les aigles. Tu vois, il représente le symbole de la liberté, de pouvoir voler très très loin. Très bien, mais sache que je n'aime absolument pas que tu te tatoues le corps comme si tu étais un cahier de dessin. Donne ça. Allô? Oscar? Qui a l'appareil? C'est Estefania Moreno. Tu peux m'appeler Tefi. Et est-ce qu'on se connaît? On s'est rencontrés avec un professeur et quelques camarades de classe dans ton gymnase. Tu t'en souviens? C'est moi qui t'ai demandé si tu avais une copine. Ah! Oui, bien sûr, je m'en souviens. Et ne me demande surtout pas comment j'ai eu ton numéro parce que je ne vais pas te le dire. T'as besoin de quelque chose? Bon, je vais tout t'expliquer. Ce qui se passe, c'est que je suis très intéressée d'apprendre à faire du taekwondo et comme je sais que tu es la seule personne qui s'y connaît vraiment dans toute la ville, j'aimerais bien que ce soit toi qui me recommande une école pour pouvoir apprendre cette discipline. J'ai déjà eu 18 ans et j'espère que ce n'est pas trop tard pour commencer. T'en penses quoi? Ah non, t'inquiète pas. Tout dépend aussi de l'intérêt que tu vas donner au taekwondo, si tu veux aller en compétition ou si tu préfères seulement apprendre à le faire et tout ça. Oui, bien sûr. Au fait, je n'ai pas vraiment l'intention de concourir comme toi tu le fais. Mais bon, on ne sait jamais, Est-ce que je peux t'appeler au ski? Ça ne te dérange pas que je t'ai appelé. Tu ne dormais pas, n'est-ce pas? Et tu sais quoi? Un jour, quand tu prendras ta retraite, je pense que tu pourras travailler à la radio parce que je t'assure que t'as une voix vraiment très belle. Merci. Que fait mon petit bébé? Je fais mes devoirs de communication. Et qu'est-ce que tu dois faire? Fais voir. Le professeur a fait une dictée. Et je dois l'écrire avec mes propres mots. Ah oui, avec tes propres mots. Mais c'est génial, parce que tu es intelligent, tu m'entends? Je suis sûre que ton histoire sera meilleure que celle du professeur. Ah, je l'espère. Tu as toujours été très intelligent, mon amour, et très appliqué à l'école. Dis-moi pourquoi tu veux changer d'école.
Écoute, Johann Steven, je me souviens que dans ce cours que tu fais, on dit toujours qu'il faut parler à la famille, s'exprimer et dire ce qu'on ressent, non? Par exemple, écoute-moi, je pensais à quelque chose et je voudrais ton opinion. Dis-moi, quoi? Eh bien, la boxe me manque beaucoup. J'y pense tout le temps et j'aimerais vraiment pouvoir boxer à nouveau. T'aimerais que je recommence à boxer? Tu sais très bien que j'aimerais avoir une maman boxeuse. Ça sera. Ça me fait très plaisir, mon petit prince. Parce que tu es la première personne à qui je le dis. Eh bien, comme la communication est bidirectionnelle, c'est dans les deux sens, je t'ai raconté quelque chose sur moi. Et là, c'est à toi de me raconter quelque chose. Je n'ai rien à te raconter. Moi, je suis sûre que oui. Dis-moi pourquoi tu veux étudier ailleurs. Allez, dis-le-moi. L'école là-bas est très mauvaise. Et je n'apprends rien. Oui, tu n'apprends rien. Écoute, je pense que cette école est très bien, Johann Steven. Et en plus, comment tu veux partir au beau milieu de l'année? Tu vas perdre un an, je ne peux pas te laisser faire ça. Mais si j'ai de bonnes notes, une autre école voudra me prendre? Écoute, Johann Steven, je suis ta mère. Et je sais que tu me caches quelque chose. Alors si tu ne veux pas en parler avec moi, je vais en parler avec ton père et tu seras obligé de lui dire ce qui se passe. Espèce de petit capricieux. Prenez votre cahier et écrivez le devoir de demain. Vous allez devoir m'écrire dans votre cahier tous les nombres premiers qu'il y a entre 20 et 100. Il aime les poupées. Oscar! Quelle coïncidence de te retrouver ici! Salut! Je suis Estefania, au cas où tu l'aurais oublié. Bien sûr, Estefania. Ah, tu oui, t'en souviens? Je suis venue pour m'inscrire à l'académie. Ah, c'est bien, je viens de terminer les entraînements. Bienvenue. Et où est-ce que tu vas? J'ai un rendez-vous. Je suppose que c'est un entretien, car la première fois qu'on s'est vu, tu avais dit que tu étais seule. Non, j'ai un rendez-vous avec ma tatoueuse, tu vois? Elle doit terminer ce tatouage que j'ai commencé. Ah, c'est bien que tu en parles. Ça fait un moment que je veux faire un tatouage et... Tu peux me recommander ta tatoueuse? Oui, elle s'appelle Dora. Elle travaille super bien et elle est très professionnelle. Ah, et puisque tu y vas, tu peux m'y emmener? Pour connaître l'endroit et aussi Dora? Tu allais t'inscrire à l'académie, c'est ça? Oui, mais écoute, l'académie ne va pas bouger. Je peux venir m'inscrire plus tard. Allons-y, d'accord? Allez, allons-y. Ouais. Vicky? Comment ça va? C'est Sonia de Moreno. Est-ce que ma fille Estefania est avec toi? Non? C'est étrange. Elle a quitté la maison depuis un moment et je l'appelle, mais son téléphone est éteint. Mais tu sais où et avec qui elle pourrait être sortie? Ah, ça fait mal. Oui, un tout petit peu, mais de toute façon, Dora a une très bonne main. Ah! Ah oui, c'est vraiment joli. Et sur ton dos... Ouf. Dis-moi, tu penses faire plus de tatouages? Non, 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 je crois que c'est le dernier. D'accord. Et dis-moi, quand penses-tu commencer à étudier pour ton diplôme en éducation physique? Comment tu sais ça? Aïe. Ah, tu ne te souviens pas? Ce jour-là, nous nous sommes connus au gymnase. Quelqu'un t'a demandé sur tes études et tu as répondu que tu avais fait de la gastronomie. Et aussi le droit, mais que tu n'aimais pas ça et que la seule chose que tu veux, c'est obtenir un diplôme en éducation physique. Toi, tu as vraiment une excellente mémoire. Je veux savoir, pourquoi tu es seule? Pourquoi tu n'as pas de copine? Et quoi? C'est une question comme n'importe quelle autre. Pas vrai, Oski? Estefania Moreno, c'est ta mère qui te parle. Où est-ce que tu es partie depuis tout ce temps, ma fille? Je t'appelle sur ton téléphone et il est toujours éteint. Quand tu entendras ce message, appelle-moi immédiatement, s'il te plaît, car je suis vraiment très inquiète pour toi. Et tu es la bonne amie d'Oscar? Bonne amie? Non, à chaque fois qu'il vient, nous parlons, mais je ne pense pas que nous soyons aussi proches que ça. Dora, tu crois qu'il va aimer le tatouage que tu es en train de me faire? Ben, je ne sais pas, mais si tu voulais le surprendre, je crois que c'est bon. Oui, c'est l'idée. Aïe, aïe, aïe! J'ai juste une question. Oui? Est-ce qu'à la maison, ils savent que tu te fais tatouer? Oui, bien sûr. Écoute, ma mère est très détendue sur ce sujet. Et elle est vraiment très ouverte d'esprit. Ah, finissons le tatouage bon, vite. Ben, si tu le dis. D'accord. Comment ça va? Bien. T'es sûr?
Oui, ça va. Dis-moi la vérité. Ce n'est pas du tout ce que pensent ta mère et ta grand-mère. Et je crois qu'elles ont toutes les deux raison. Profitons du fait d'être encore ici, de ne pas être déjà arrivé à la maison pour avoir une conversation entre père et fils. Mais promets-moi que tu vas me raconter toute la vérité, hein? Pourquoi tu veux changer d'école? Un garçon qui s'appelle Ibanez n'arrête pas de me taquiner. Ah oui? Il m'appelle Fillette et dit que c'est ma mère qui m'emmène. Et regarde ce qu'il a mis dans mon sac. Il a mis quoi? Et qu'est-ce que tu as fait? Bien, quand je suis pas comme lui. Mon fils, tu sais pourquoi ça t'arrive? C'est parce que tu es bien trop gentil. Et à chaque fois qu'une personne se montre aussi gentille comme toi, il y a toujours une personne irrespectueuse qui veut lui faire beaucoup de mal. Mais je t'assure qu'il existe une solution à ça, mon fils. Allez, dis-moi, quel âge a ce garçon, Ibanez? Le même âge que moi. Je suis content que tu me l'as dit. Parce que je vais te montrer comment te défendre pour qu'il ne t'embête plus jamais. Deux grandes glaces, s'il vous plaît, madame. Si je l'ai dit à la directrice, il va se moquer de moi. Hé, mon fils, ne t'inquiète pas pour ça. Il ne va plus se moquer de toi, Johann Steven. Hein? Personne ne sera quoi que ce soit. Alors calme-toi, la seule chose que je vais te montrer, c'est que tu dois te défendre. Et qu'allons-nous faire? Écoute-moi, j'ai une seule condition. Ça doit rester entre toi et moi. Et en plus, c'est surtout dans la famille. Nous sommes des boxeurs et tu l'as déjà dans ton sang. Mais n'oublie surtout pas que ça doit rester entre toi et moi. D'accord? Julio, de quoi tu as parlé avec Johann Steven? Ah, Ingrid. Ne t'inquiète pas, il ne se passe rien. Écoute, le fait que notre fils veuille d'un coup changer d'école me paraît très étrange. De quoi vous avez parlé? Ce que le garçon pense, ou plutôt ce dont il est convaincu, c'est que la prof de maths ne l'aime pas. Et je lui ai dit, mon fils, du calme, ce que tu dois faire, c'est étudier très dur pour passer tes examens, et si jamais tu ne réussis pas à passer, nous trouverons un autre professeur de mathématiques pour t'aider. Et c'est aussi simple que ça! Mais c'est bizarre, parce qu'il se débrouille très bien en mathématiques. C'est étrange. Oui, c'est ce que je lui ai lu. Que c'est bête! En plus, on s'est assis et je lui ai parlé clairement, en lui disant, fiston, c'est une bonne école, on ne peut pas trouver une autre. Et il m'a bien écouté, il est intelligent, il n'y a vraiment plus aucun problème, Ingrid. Eh bien, Julio, je suis soulagée. Écoute, merci parce que tu t'occupes très bien du petit. Tout ça me fatiguait énormément, mais je me sens plus tranquille maintenant. Merci. Écoute, tu sais que pour mon fils, je ferai n'importe quoi. Très bien. Puisque tu ferais n'importe quoi, j'ai besoin que demain tu le gardes pour moi, d'accord? Donc, oui. Surveille-le parce que je vais devoir quitter la ville. Comment ça? Où vas-tu? Me demande pas. Tu as dit que tu ferais tout pour lui, alors garde-le. Je vais partir tôt le matin et je vais rentrer tard le soir. C'est très bon. En ce moment, ici à Barranquilla, dans le tournoi de taekwondo des Caraïbes, pour la première fois dans l'histoire, vous verrez en face à face le grand champion cubain, l'indomptable, l'indestructible machine, Maximo Pimienta! Et le petit Colombien Oscar Muñoz. Que le meilleur gagne le combat! Et Stéphania, réponds enfin à ma question. Où étais-tu passée? Et ne me dis pas que tu étais avec Vicky, parce que c'est la première personne que j'ai appelée. Ah, maman, tu ne m'écoutes jamais quand je te parle. De quoi tu me parles? Pourquoi tu me dis ça? Parce que ça fait une semaine que je te dis que je vais à la bibliothèque pour lire Don Quichotte. Oui. T'en as pas marre de toujours sortir la même excuse? Tu ne peux pas en trouver une autre? Ah non, pourquoi j'inventerais ça si tu peux toi-même aller le vérifier? Pourquoi ton téléphone était éteint? Maman, c'est la première condition, je ne peux pas laisser mon portable allumé. Mais depuis combien de temps tu n'as pas été dans une bibliothèque? Serait-ce possible que tu serais sortie dans la rue avec un garçon? Parce que je t'ai dit des milliers de fois que tu n'es pas assez grande pour avoir un petit ami. Tu as plus d'imagination que Miguel de Cervantes qui a écrit Don Quichotte. J'ai tellement mal à la tête à force de lire que je vais me reposer parce que je ne le supporte plus. Je vais faire quelque chose. Je vais t'acheter ce fichu livre pour que tu n'aies plus du tout d'excuses stupides à me donner et que tu ne me fasses plus mal à la tête comme tu le fais toujours, Estefania.
Salut Oski. Et Stéphania, qu'est-ce que tu fais ici? Mais quelle question bizarre, je me suis inscrite dans ta gym. Mais tu ne le savais pas, je ne te l'ai pas dit. Eh bien non, tu ne m'as rien dit. Eh bien maintenant tu le sais. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais te rencontrer ici. Quelle coïncidence, tu ne penses pas? Non, parce qu'on se rencontre partout. À l'académie de taekwondo, ici, au gymnase, dans la rue. Je ne sais plus si c'est une coïncidence tout ça. Non. Écoute, pour être honnête, cette rencontre n'est pas une coïncidence. Je voulais vraiment qu'on se rencontre ici pour te montrer une petite surprise. Comment ça une surprise? Mais enfin, de quoi tu parles? C'est une petite surprise, Oski. Tu veux voir? C'est quoi? Mais pourquoi? Mais Oscar, comment tu as pu écrire Oscar sur toi? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenue folle ou quoi? Non, écoute, ce qui s'est passé, c'est que ton amie Dora, la jolie tatoueuse, s'est avérée être très excellente dans son travail. Et moi, je voulais seulement porter ton nom ou que j'aille. Non, mais est-ce que tu réalises ce que tu as fait? Bon sang, Estefania, t'es folle ou quoi? Ça ne me plaît pas, tu aurais dû me consulter avant de tatouer ton nom comme ça sur toi. Ah, Oski, non, si je te l'avais dit, ça n'aurait pas été une surprise. Dis-moi ce que t'en penses, si tu aimes, si ça me va. Non, 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 non. Tu es folle, Estefania, je te jure. Non, 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 non. Avec mon téléphone. Oscar, tu reçois de belles photos en ce moment, hein? Rends-moi mon téléphone, hey, Wilson, d'accord? Attends, je pensais que c'était urgent. Mais arrête, donne-moi ça, allez! Hey, attends un moment, tu dois comprendre que je suis ton grand frère et que j'ai tout à fait le droit de superviser tout ce que fait mon petit frère, quand même. Allez, dépêche, attends, rends-le-moi. Attends, comment ne pas admirer les photos que t'envoie cette petite beauté? Mais je m'en fous, rends-le-moi, Wilson. Dis-moi, où as-tu rencontré ce bijou, hein? Non, non, ce n'est pas un bijou, Wilson. Non, non, c'est une amie. Ah, définitivement, tu as été adopté. Allez, va. Ne viens pas me parler. Allô? Ça va? C'est moi, Poncho. Tu peux commencer avec ton plan? Quoi? Le vrai président des Bleus? Professeur Maya? Mais, attendez... Je suis content de recevoir votre appel. Bien sûr que je sais qui vous êtes, bien évidemment que oui, bien sûr que oui. Je suis honoré, quelle joie de recevoir votre appel. Moi, si tu utilisais toute cette imagination pour jouer au foot, je te jure que tu serais déjà en Europe. Bien sûr que oui, monsieur, bien sûr que oui. Comment pouvez-vous penser que non? Demain, je serai à l'heure dans votre bureau. D'accord? Merci encore une fois pour votre appel et passez une très bonne nuit. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qui se passe? Mon amour, le président des Bleus, tu peux le croire? Il me veut dans son équipe. Demain matin, j'irai à son bureau pour une négociation. Qu'est-ce que t'en dis? C'est génial. Ça me rend vraiment très heureuse. Félicitations. Merci, mon amour, merci, merci. Tu vois que ça valait la peine d'attendre, oui, tout ça et non supplier comme une espèce de fou? Écoute, la vie d'un joueur de foot est très courte et on ne peut certainement pas la gaspiller en jouant n'importe où. C'est vrai! J'espère que Dieu te bénira, oui, dans tout, sûr, ça. Oui, c'est sûr, oui, c'est sûr. Que ce ne soit pas comme avec cet homme d'affaires qui n'a mené nulle part. Ah oui, je sais, mais je suis sûr que là, ça va marcher. J'ai remarqué que le professeur Maya était enthousiaste que je sois dans l'équipe. Il a déjà parlé à l'entraîneur. Juan... Ça veut dire que tu auras un contrat, Juan. Bien sûr que oui. Bien sûr. Bien sûr que oui. Tu es un footballeur tellement talentueux et tu as encore beaucoup de choses à montrer. Merci, mon amour. Ah oui, je te félicite. Écoute, moi aussi j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Oui. Ah oui. Eh bien, on va peut-être bientôt commencer l'exportation de la ligne de vêtements de sport. Génial. Dès qu'on me confirme quand, je te donnerai tous les détails. Mais maintenant, parlons de toi. Et tu vois comment la vie nous sourit? Oui. Oh oui! Tu l'as bien mérité! Ça va, Marina?
Pourquoi tu fais la tête comme ça? Mm-hmm. Tu n'es pas contente de me voir travailler à l'usine? Bah non, parce que tu as pratiquement forcé ta fille à venir travailler ici dans cette usine. Tu as un de ces culots, Arnoldo. Mais tu es de très mauvaise humeur, Marina. Que voulais-tu? Que je reste à la maison et ne rien faire? Non, madame, je ne veux pas. En plus, tous les gens qui travaillent dans cette usine le font pour la bonne image de ma fille. J'ai aussi le droit, Marina. Ah oui? Alors, balai, balai. Tu ne balais pas à la maison, mais tu balais ici. Ça va bien, c'est voyons. Ça. Arnoldo, Arnoldo, mais voyons, bouge, ne reste pas là. Je ne vous ai pas emmené ici pour papoter. Alors travaillez, oui, vous monsieur, deux. Oui, monsieur. Ah, très bien. C'est mon fils. On dirait que vous vous êtes endormi. Je vais devoir me mettre à vous piquer avec des orties pour que vous bougiez. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Norbert? Tu ne vois pas que tout le monde est en train de travailler très dur ici? Regarde autour de toi, hein? Mais ne le grondez pas, madame Marina. Vous savez que votre fils est le conseiller spirituel de l'usine. Non, consultant spirituel, tu veux dire. Ah oui, arrêtez de vous moquer de moi, d'accord? Et tu t'y mets, toi aussi? Oh non. Non, 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 mais soyez sérieux. Regardez leur les idée. Les amis, s'il vous plaît, arrêtez tout ce que vous faites. On vient de me dire que monsieur Thomas des États-Unis est en ligne. Mais moi, je ne parle pas du tout anglais. Monsieur, j'ai vécu quelque temps aux États-Unis. Donc tu parles anglais? Oui, bien sûr que eh je bien, peux vous viens aider. Viens vite, il nous attend. Allez, viens, viens. C'est génial, mon fils. Ouh. Ah, quelle émotion. Finissez votre travail d'abord. Thank you very much for your attention. We'll see you very soon. Looking forward to it, Mr. Thomas. For my company, it will be a pleasure to have you. All right, a strong hug for all. Thank you very much. Have a wonderful day. Bye. Et alors? Il nous embrasse tous et il va venir nous voir à la fin de cette semaine. C'est trop bien. Écoutez-moi tous. Quand il vient, cet homme doit être traité comme un véritable roi. C'est trop bien. Il faut goûter toutes les bonnes saveurs de Jamundi préparées par toi, oui, Marina. Oui, bien sûr. Monsieur Alexis, cet Américain est jeune et seul. Ah oui. Ma fille, s'il te plaît, ce sont des affaires, juste des affaires. Je ne le sais pas. Écoutez, lorsque j'ai donné à cette ligne le nom d'Alvéar, je l'ai fait surtout en pensant au marché nord-américain. Et je sais que dans vraiment très peu de temps, nos vêtements seront présents dans absolument tous les centres commerciaux de l'Amérique du Nord. Oui. C'est génial. Ma fille, mon amour, descend, le petit déjeuner est servi. D'accord, maman, merci. Qu'est-ce que tu as eu au dos? Sur le dos? Oui, ton dos. C'est rien. Laisse-moi voir. Mais maman, il n'y a rien. Oscar! Estefania, qu'est-ce que tu t'es fait tatouer sur ton corps? Tu es tombée sur la tête ou quoi? Maman, c'est un petit tatouage, c'est tout, une chose normale. Normal? Viens ici, Estefania. Tu dois tout m'expliquer. Qu'est-ce que tu as dans ta petite tête, hein? Tu ne réalises pas que tu es encore trop jeune pour faire ce genre de choses? Maman, assez, c'est moi qui décide. Ma fille, pourquoi tu ne me dis pas qui t'a fait ça pour que j'aille le dénoncer à la police tout de suite? De nos jours, tout le monde se fait tatouer, maman, arrête d'exagérer comme ça. Tu ne te rends pas compte que c'est toi qui exagères? Pourquoi tu veux grandir si vite? Pourquoi tu ne peux pas attendre d'atteindre au moins ta majorité pour prendre des décisions importantes et vivre enfin ta vie correctement, Estefania? Maman, laisse-moi manger en paix. Qui est ce Oscar? Mon copain. Tu vas devoir me dire tout de suite qui est ce type. Où l'as-tu rencontré, hein? C'est le sportif le plus célèbre de Valle d'Upar, Oscar Luis Muñoz, Oviedo. C'est son nom complet. Mon fils, écoute ce que tu vas faire. Tu vas bien te concentrer sur ce que je vais te dire. Je vais t'apprendre à boxer non seulement pour que tu puisses répondre à ce gosse d'Ibanez, mais aussi pour que tu puisses te défendre dans la vie. Tu es déjà grand, et en plus, tu dois te rappeler que tu es né dans une famille de boxeurs, d'accord? Oui, papa. Écoute, autre chose. Tout ça doit rester entre toi et moi. Ne le dis pas à ta maman, ta grand-mère, à personne. Tu me comprends? Bon, la première chose que tu dois faire, c'est surtout bouger, comme ça. Lentement, oui. La fédération de boxe et le comité nous donnent une maison. Et comment est-ce qu'on va faire pour vivre à trois? Tu vas vivre dans une maison et Johan Steven et moi dans une autre? Pour te dire toute la vérité, je voudrais qu'on vive à trois dans la même maison, Ingrid. Mais regarde comme tu es drôle, et après tu dis que c'est moi qui plaisante trop. Je suis très sérieux. J'aimerais vraiment pouvoir vivre dans la même maison que toi et le garçon. Et même nous marier. Je sais que tu n'aimes pas que je te raconte ces choses, mais je vais te les raconter quand même. Grand-mère, tu me connais très bien et je... Dernièrement, j'ai vraiment beaucoup pensé à la boxe. À Sol. Et c'est vrai que j'ai longtemps fait l'idiote, je le sais. Mais les deux me manquent vraiment énormément. T'en penses quoi, grand-mère?
Tu crois que je peux aller voir Sol et lui demander de m'entraîner? Tu crois qu'il me dira oui après tout ce temps? Continue! Allez, oui, c'est ça! Un, allez, un autre! Allez, saute! Comme ça, très vite! C'est comme ça, n'arrête pas! Très bien! Allez, continue! Très bien! Allez! Allez, plus vite! Allons! Vers papa! Très vite! Bien comme ça! Dans l'autre sens! Très bien, oui! Va plus vite, va plus vite, va plus vite! Parfait! Allez, approchez-vous! Un! Reculez! Un! Avancez! Un! Reculez! Un! Allez, encore une fois! Gardez cette position! Un! Deux! Trois! Très bien! Quatre! Cinq! Premier coup! Quatre! Sol? C'est l'autre main! Faites-moi un peu d'exercice! Travaillez vos genoux! Il faut travailler les genoux! Ingrid, que fais-tu ici? Eh bien, je suis venue pour te parler, en fait. Hors de la vue de ma petite fille! Va au diable, profiteur! J'ai très faim, Stéphania. Je veux déjeuner. Je vais retourner chez moi. Non, Vicky, attends un petit peu. Écoute, Oscar est probablement en route pour son entraînement. Et comment tu sais tout ça? Parce que je connais par cœur toutes ses heures d'entraînement. Hein? Et qu'est-ce que tu as de si important à lui dire? Je veux lui souhaiter bonne chance. Demain, il va à Barranquilla pour le championnat de taekwondo des Caraïbes. Tu es vraiment folle, Stéphania! Un petit peu. Oscar! Oski! Ah, je suis contente de te voir! Cesse de me harceler, d'accord? Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que j'en ai marre de toi. Je te vois partout. Mais je ne pensais pas que tu allais m'accueillir de cette façon. Si ce n'est pas ici, c'est chez moi. Si ce n'est pas chez moi, c'est dans la rue. Tu es partout où je vais. Ah, mais tu es très injuste et grossier parce que la seule chose que je voulais, c'était te souhaiter bonne chance pour ton voyage à Barranquilla. Merci. Je te remercie. Je ne veux vraiment pas être injuste et grossier. Mais je ne veux surtout pas que tu deviennes mon ombre. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Je ne peux rien avoir avec toi et je ne veux rien non plus. Tu comprends? Non, mais... Je n'aime pas que tu t'aies fait tatouer mon nom sur toi. Et moi, je pense que tes parents devraient te surveiller. J'y vais. Mais tu ne comprends pas. Oscar! Écoute, je savais que ça allait arriver à tout moment. Tu dois te tenir loin de lui. Tu ne peux pas le chercher. D'accord? Ben non. C'est non. Non, 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 non. Je ne vais pas l'oublier. Non, pourquoi? N'oublie pas de me rappeler d'acheter de l'eucalyptus pour le sauna, d'accord? Oui, oui. Comme si je devais te rappeler quelque chose concernant cette gym alors que tu passes 24 heures à t'occuper et t'inquiéter pour ce travail. Ne parle pas comme ça. On dirait que tu es en train de me dire que je ne m'occupe plus de ma femme. Non, mon amour, je suis heureuse, tu sais. Je suis heureuse que tu sois heureux et que tu te sens utile. Ce gymnase te fait beaucoup de bien. Regarde comment ton corps est devenu. Ah, regarde-moi oui. Cette bonjour. Taille. Hein? Bonjour. J'ai besoin de parler à Oscar Munoz. Otilio Munoz, le papa d'Oscar Munoz? Que voulez-vous? Ah, vous êtes donc le père de ce type. Et je suis sa maman, mais mon fils n'est pas n'importe qui. Que voulez-vous? Attends. Calme-toi. Que puis-je faire pour vous, madame? Que faites-vous ici? Je suis ici parce que nous avons un gros problème au cas où vous n'êtes pas au courant. Je suis venue pour prévenir ce dégénéré détourneur de mineurs de ne pas s'approcher de ma fille Estefania. Mon Dieu, mais enfin, que dit cette femme, hein? C'est la vérité. Je vous assure que c'est plus douloureux pour moi que pour vous. Votre fils est Estefanio Moreno?
La jeune fille qui s'est récemment inscrite ici? Elle-même. Et vous feriez mieux de l'oublier comme cliente parce que ma fille ne reviendra plus jamais ici. Je ne sais pas qui vous a donné des informations et quelle histoire on vous a raconté, mais c'est elle qui est venue chercher mon fils. À chaque fois qu'elle vient ici, elle ne cesse de poser des questions sur lui, alors désolé, mais... Écoutez, si vous connaissiez réellement mon fils, vous ne diriez surtout pas toutes ces bêtises, madame. Eh bien, même si pour vous, votre fils peut être le Christ en personne, dites-lui que s'il s'approche encore une fois de ma fille, je ne perdrai pas une minute pour le dénoncer. Attends, attends, calme-toi, du calme. Respire et calme-toi. Je savais que j'allais te trouver ici à faire ce que tu aimes et je te remercie d'avoir pris du temps pour parler avec moi. Non, ce n'est rien, Ingrid. Dis-moi, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas parlé? Environ 2 ans. Quoi de neuf? Bien, très bien. Toujours à travailler. Dieu merci, ça va. Comment ça va? Eh bien, moi aussi, je vais vraiment très bien. Comment va ton fils, Johan Steven? Tu devrais voir comme il a grandi, oui, c'est incroyable. Oui, j'imagine bien. Il va devenir plus grand que moi. Ah, vraiment? Et parfois, c'est vrai qu'il est un peu difficile, mais en général, c'est un très bon garçon. Et ta maman? Fidèle à elle-même, elle passe son temps à cuisiner. Mais bon, tu vois, ma mère est encore jeune et belle. Dans le quartier, ils nous prennent tous pour 2 sœurs quand on sort. Dis-lui bonjour, d'accord? Bien sûr que oui. Écoute, Sol, je suis venue jusqu'ici parce que j'aimerais reprendre la boxe, tu comprends? Et je voudrais que tu sois mon entraîneur. À Cali. Maman? Maman, où est passé le poster d'Oscar? Maman! Quoi, ma fille? C'est quoi le problème? Maman, où est passé le poster d'Oscar? Bien, je l'ai déchiré et je l'ai jeté à la poubelle. Mais maman, pourquoi tu as fait ça? C'est ma chambre et je la décore comme j'en ai envie. Mais je te rappelle que cette chambre se trouve toujours dans ma maison. Et écoute-moi bien, je suis allée à la gym et j'ai annulé ton inscription. Tu ne mettras plus jamais les pieds là-bas. Tu ne peux pas m'en empêcher. Et tu ne peux pas me forcer à m'éloigner d'Oscar. Oui, bien sûr, parce que je suis ta mère et même si tu ne le veux pas, tu dois comprendre que tu es mineure et que tu ne peux pas faire tout ce dont tu as envie. Tu es vraiment allée à la gym? Oui, crois-le ou non. J'ai parlé aux parents de cette espèce d'imbécile et je leur ai dit toute la vérité en face. Et écoute-moi bien une dernière fois, Estefania. À partir de ce moment, tu es punie. Tu ne sors pas d'ici, sauf pour le collège et avec moi. Tu m'entends? Oui, maman. Et demain matin, nous irons chez cette femme qui t'a fait ce tatouage pour te faire enlever cette atrocité. Il va venir à Jamundi? Oh! Non mais quelle joie! Quel plaisir, Jenny! Nous devons tout préparer pour que quand ce monsieur Thomas arrivera, il se sente comme s'il était chez lui. En plus, je sais que je peux compter sur toi. Écoute, je vais devoir raccrocher parce que Juan vient de rentrer à la maison. Dis à tout le monde que je les embrasse fort. Je vous envoie des câlins et je vous aime. Et surtout, merci à toi, Jenny. Merci de m'avoir appelé pour m'annoncer cette nouvelle. Je t'aime beaucoup. Je t'embrasse fort. Allez. Et moi, tu ne m'embrasses pas fort ou quoi? Comment ça s'est passé avec le monsieur? Ah, c'était formidable. Ce fameux monsieur Maya est vraiment un très bon type. Il m'a fait entrer dans son bureau, il m'a parlé de plusieurs choses. Et c'est tout. Si demain je passe les examens et aussi les épreuves physiques, je serai le nouveau joueur des Bleus. Alors prépare-toi. Oui, c'est génial. Aujourd'hui, il n'y a que des bonnes nouvelles dans cette maison. Ah oui? Raconte-moi tout. Oui, eh bien figure-toi qu'un Américain qui vend des vêtements là-bas aux États-Unis vient à Jamundi. Pour voir s'il peut s'associer avec nous. Tu t'imagines, Juan, qu'on puisse exporter nos vêtements là-bas? Mais c'est vraiment génial! Mais oui! Et tu sais quoi? Quoi? Je ne sais pas trop, mais entendre autant de bonnes nouvelles comme ça me donne vraiment envie de célébrer tout ça. C'est pour ça que tu t'es habillée? Non, c'est une coïncidence. Et pourquoi on n'irait pas au bar de ton ami Pancho? Allez, mais il n'y a rien qui presse. Pasteur? Je sais où est partie Ingrid. Comment ça? Figure-toi que ce matin, elle était très mystérieuse et qu'elle ne voulait absolument pas me dire où elle partait. Elle est partie à Ibagué. Comment tu as su, chérie? Tu te souviens de mon amie Leïda, celle qui travaille à la boutique du coin? Non, pas l'amie, mais la commère qui ne sait plus quel ragoût inventer. Elle vient tout juste de m'appeler pour me dire qu'elle a vu Ingrid prendre le bus d'Ibagué. Hmm.
dis-moi quel est le rapport. Ah, pasteur, tu es vraiment distrait. Elle est sûrement allée voir Saul. Et tout ça ne peut que signifier deux choses. Soit qu'ils vont retourner ensemble, soit elle retourne à la boxe, ou peut-être les deux. Écoute, Gabriella, pourquoi tu continues à écouter cette femme? Est-ce que tu t'entends parler? La seule chose qu'on a à faire, c'est d'attendre qu'elle arrive ce soir. Peut-être qu'elle viendra avec Saul. Porte-moi un jus de fruits et laisse-moi travailler, ma chérie. Je dois terminer ça. Mais qu'est-ce que tu peux être fatigant? Ben, Ingrid, j'aimerais te féliciter pour ton retour à la boxe. Bonne décision parce que, pour moi, tu as un potentiel extraordinaire. Et je pense aussi que tu as encore beaucoup de choses à prouver dans ce monde de sport et dans notre pays. Merci beaucoup. Écoute, Saul, tu es le meilleur entraîneur que je connaisse et c'est pour ça que je suis venue te parler. Mais tu ne m'as pas répondu. Tu penses qu'on pourrait retravailler ensemble? Écoute, Ingrid, c'est que... Non, mais si tu dois y réfléchir autant, c'est que ta réponse n'est pas oui, n'est-ce pas? Non, non, non. Je dois y penser, je dois y réfléchir, Ingrid, parce que ce n'est pas si simple, tu vois. J'ai un plan à développer pour toutes les boxeuses d'Ibagué. La fédération de Tolima m'a toujours fait confiance. Je ne peux pas, du jour au lendemain, les laisser tomber comme ça et aller t'entraîner à Cali, est-ce que tu comprends? Oui, Saul, c'est clair comme de l'eau de roche. Je suis venue parce que j'ai senti que je devais venir te voir pour te parler de tout ça, mais je te comprends parfaitement. Mais Ingrid, dis-moi, est-ce que tu as un plan B? Je veux dire, un autre entraîneur? Non, Saul, je n'ai pas vraiment de plan B. Mais tu sais quoi, du moment que je retourne à Cali, je vais me concentrer et trouver un entraîneur parce que mon retour à la boxe ne peut pas dépendre d'un seul entraîneur. Oui, tu as bien raison. Saul, écoute, je suis venue pour ça, mais comme ça ne se fera pas au final, je vais m'en aller. Je te remercie énormément pour ton temps. Bonne chance, Ingrid. Merci. Au revoir.